Bonjour les collègues. Bon, l'actualité, c'est souvent en ce moment Covid matin, midi et soir, mais il y a une autre actualité qui nous concerne, nous tout particulièrement, agents du Conseil régional, c'est les élections régionales. Dans 8 semaines, nous aurons la respiration démocratique habituelle et donc le renouvellement des 100 conseillers régionaux de Bourgogne-Franche-Comté. En quelque sorte, dans 8 semaines, nous aurons nos nouveaux patrons. Alors, je vais profiter de cette actualité élections régionales pour répondre à une question que vous posez peut-être, de savoir combien gagne un élu au Conseil régional. Je vais vous dire combien gagnent donc nos élus, combien gagne un conseiller régional, un vice-président, un ou une vice-présidente, et combien gagne la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est les articles L4135-15 et L4135-16 du Code général des collectivités territoriales qui fixent les indemnités des conseillers régionaux. En effet, dans ces articles, il est indiqué que les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leur fonction une indemnité. Cette indemnité, elle est fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Puis ensuite, toujours selon le Code général des collectivités territoriales, il faut appliquer un barème qui dépend du nombre d'habitants de la région. Donc pour notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 2,8 millions d'habitants. Et ça donne un coefficient multiplicateur de 0,60. Donc pour faire le calcul rapidement, indice brut terminal, c'est 1027, ce qui donne l'indice majoré 830. Il faut multiplier par la valeur du point d'indice qui est de 4,68, puis par 60%, on arrive à 2330 euros bruts, 2330 euros bruts pour un simple conseiller régional qui n'est pas membre de la commission permanente, qui n'a pas de délégation, qui n'est pas vice-président. Après, si on enlève, parce que le brut c'est intéressant, on aimerait bien avoir le net, si on enlève les cotisations vieillesse, vieillesse déplafonnée, c'est 7,40%, et puis CSG, CRDS à 9,70%, on arrive à 1927 euros net pour un conseiller régional. Un conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté gagne 1927 euros net. On continue avec le Code général des collectivités territoriales pour savoir que l'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant une délégation de la présidente est égale à l'indemnité maximale de conseiller régional majorée de 40%. Alors ça donne quoi? Ça donne pour un vice-président du conseil régional environ 39 000 euros bruts par an. Ce qui fait 2700 euros net par mois. Un vice-président au conseil régional, c'est 2700 euros net par mois. Je vous épargne le calcul, je l'ai fait pour vous, mais la présidente du conseil régional, c'est un peu plus de 67 000 euros bruts par an, ce qui fait 4650 euros net par mois. 4650 euros net par mois. Là, on a fait le calcul ensemble, mais ce qui est pénible, c'est qu'on se demande toujours si on ne s'est pas trompé en fait. On aimerait bien que ces informations, on puisse les trouver en un clic, sans faire des calculs compliqués, pas toujours clairs, en fait, les retrouver dans un document officiel, précis, net. Mais il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a une volonté du législateur d'apporter plus de transparence sur les indemnités de nos élus. Et les documents clairs, précis et nets, bien, ils existent maintenant. Il y a quelques documents que vous pouvez trouver sur les internets et qui sont très utiles pour avoir connaissance de ces indemnités. En 2013, la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique, la HATVP, une autorité administrative indépendante, a été créée par la loi relative à la transparence de la fonction publique. Et alors, sur le site de la HATVP, hein, vous tapez ça sur Google, vous pouvez retrouver les déclarations d'intérêt des conseillers régionaux qui ont reçu une délégation de signature ou de fonction. Et donc, dans ces déclarations d'intérêt, vous pouvez retrouver des informations sur ce que gagnent les élus du conseil régional. Ça vous permet de vérifier le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Puis aussi une autre source d'information depuis 2019, celle-là. Depuis 2019, donc dans un souci de renforcer la transparence sur les indemnités des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers régionaux, eh bien l'article 93 de la loi de 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique oblige les communes, les départements et les régions d'établir une fois par an un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus que j'ai cités précédemment, donc dont bénéficient aussi les élus des conseils régionaux. Donc c'est encore mieux parce qu'on peut une fois par an connaître précisément le montant de leurs indemnités, mais aussi de toutes les autres indemnités liées à leur mandat. Et pour ce qui nous concerne, nous, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour donner des exemples précis, grâce à cette loi et cette transparence, je peux vous dire que nous avons un élu au conseil régional qui cumule son indemnité avec une indemnité supplémentaire du syndicat mixte de l'aérodrome d'Auxerre-Branche. Je peux vous dire aussi que nous avons un élu conseiller régional qui cumule son indemnité avec une autre indemnité du
syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan. Et nous avons un troisième élu qui cumule son indemnité de vice-président avec une première indemnité au titre du syndicat mixte des transports en commun du territoire de Belfort. Et puis, il cumule aussi une seconde indemnité au titre d'une délégation régionale à la délégation Bourgogne du CNFPT. Ce qui donne d'ailleurs un total d'indemnité assez proche de celui de la présidente du conseil régional qui, elle, ne cumule aucune indemnité. Voilà, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo. Maintenant, vous connaissez précisément les indemnités des conseillers régionaux, toutes les indemnités, et vous pouvez les retrouver vous-même. Fini pour cette fois. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt.